bien tout simplement, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série en route vers le trophée Magnus. Salt Barber. Premier jour de play-off. Benoît Sillon. Cette défense se fait pas mal perforer par la meilleure attaque du De Rouen. Allez, Rouen ! Gagnez pour nous ! Et salut à tous, c'est Ozenum, comment allez-vous ? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, comme promis, chose due, bien tout simplement, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série qui s'intitule et j'ai enfin trouvé le titre parce que j'ai mis des mois et des mois à trouver le titre parce que c'était pas facile. Le titre de la série, c'est En route vers le trophée Magnus. Alors, en quoi consiste ce trophée? Bien tout simplement, ça consiste à filmer les matchs de Ligue Magnus, principalement des Dragons de Rouen. Mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas d'aller voir Cergy Pontoise? Pourquoi pas? Mais ça va être assez tendu. Donc j'espère que cette série vous plaira. Et dans cette série là, bah, ça se rapproche légèrement de En route Opération Matière que j'avais fait l'année dernière avec QRM. Vous connaissez le principe, bah, tout simplement les interviews avec les supporters avant le match, ensuite à chaque tiers-temps, bon, pas trop long. Et aussi à la fin, pourquoi pas interviewer des joueurs vu qu'ils se laissent approcher, ça fait plaisir. Et de plus, dans ce premier épisode, je ne serai pas tout seul, tout simplement, je serai avec un invité mystère. Et de plus, bah, pourquoi pas essayer de l'interviewer, qui passe dans ma vidéo, bah, s'il passe, ça serait vraiment génial. Et en plus, bah, il connaît très bien QRM, forcément. Ouais, j'en dis pas plus, mais il connaît très bien les joueurs de QRM. Vous allez savoir pourquoi, et je pense que vous allez le connaître. Voilà, vous savez quoi, on se dit à tout de suite, et on va attendre l'invité mystère. Bon bah voilà, je suis bel et bien arrivé, un petit peu de retard. Et puis bah, comme vous pouvez le voir, l'invité mystère, Saul Barber, celui qui coupe mes cheveux. Et de plus, il a même coupé des joueurs. Il a coupé Julian Msumbu et aussi Mathias Pintaric. Et si vous voulez la bonne adresse, passez chez lui, il est très fort. Et là, c'est l'entrée des joueurs. Chemin.
malheureusement il n'y aura pas son chant. Et de plus, s'il n'y a pas mes abonnés, bah, ils seront potentiellement possibles la semaine prochaine. Ah!
tire tôt, pas mal. Là, c'est un duel gardien contre gardien. Et vous savez quoi, vous connaissez le principe, vous connaissez la musique. Je vais aller voir les supporters, interviewer, et après, je vais donner mon avis sur le premier tire-temps. A tout de suite. Oh bah voilà, je suis avec une première supportrice qui va donner son avis sur le premier tire-temps. T'en penses quoi? Je pense qu'il était pas mal, mais bon, les joueurs ils se battent un petit peu des fois, mais c'est normal. Les gothiques, ils sont un petit peu de mauvaise foi, on va dire. Les trouilles, ils se bagarrent. Ça ralentit un petit peu, mais ça va. Ouais, c'est vrai, avec beaucoup de tension des deux côtés, et de plus, les gothiques, mine de rien, ils se défendent plutôt pas mal. Ils ont encaissé aucun but. T'en penses quoi? Je pense qu'ils sont quand même forts. Ils sont quand même forts? Ils sont quand même forts, mais pas au même niveau des dragons. Rien à voir, rien à voir. Et d'ailleurs, comme les dragons, c'est la meilleure attaque de Sinner Glass, Blick Magnus, est-ce que tu penses qu'ils vont se réveiller au deuxième tiers-temps pour mettre un gros score? Est-ce que tu y crois? Ouais. Ouais. Malgré l'absence de François Beauchemin? Oui, je pense que c'est... Et Pintaric, pour toi, est-ce que c'est le meilleur gardien de la rencontre? Parce que le gardien d'Amiens, il est quand même très fort ce soir. Malgré les buts, enfin, les tirs qu'il subit, il a quand même encaissé zéro but. Oui, il est quand même fort. Quand même fort? Maintenant, c'est moi qui vais donner l'avis sur le premier tiers-temps. Franchement, je suis surpris des gothiques. Alors, c'est nos rivaux. Et en plus, les gothiques, ils ont très pas mal d'hostilité. Ils jouent pas mal avec les nerfs des dragons d'Oron. Et de plus, ça a deux doigts de partir en sec. Mais mine de rien, c'est... Franchement, je suis étonné. Là, pour ma part, c'est pas le match des joueurs, mais plutôt gardien contre gardien. Pintaric, qui est vraiment très, très, très fort. Pintaric, il est très rassurant. Et en plus, Pintaric, même s'il n'y a aucun rempart... Comment dire, même s'il n'y a aucun rempart défensif, il assure. Voilà, ça n'empêche pas de faire des arrêts. Il est très très rassurant. Et de plus, le gardien d'Amiens, honnêtement, il est très très fort. Alors, est-ce que actuellement c'est l'homme du match? Je ne sais pas du tout, mais je pense que oui. Alors, ça me fait mal de dire ça, désolé mes chers dragons de Rouen. Mais actuellement, c'est lui. Pourquoi? Parce que il a fait quand même pas mal d'arrêts et il a subi des tirs de la part des dragons de Rouen. Alors, malheureusement, l'attaque des dragons de Rouen est un petit peu obsolète en ce premier tiers-temps. Mais le deuxième tiers-temps, est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont réveiller le dragon qui sont en eux pour faire parler de leur meilleure offensive? Et je vous rappelle, hein, c'est quand même la meilleure attaque, meilleure offensive de Sinner Glass Blick Magnus. Ils sont premiers devant, voilà, quand même devant Grenoble, et c'est étonnant. Mais ils sont quand même arrivés deuxième. Alors après, voilà, je vous rappelle, avoir la meilleure attaque ne veut pas dire être spécialement le meilleur. Et la meilleure réponse, ce sera en play-off. Bah là, c'est les quarts, c'est actuellement les quarts de finale. C'est très plaisant. Et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir pas mal d'intensité, beaucoup de haute tension? Parce qu'il y a quand même de la haute tension. Et aussi, il y a quand même des joueurs qui ont été en prison, quand même. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc, on va voir en ce fameux deuxième tiers-temps. Et on se dit à tout de suite pour le deuxième tiers-temps. Et vraiment, bah, ce qui est bien, c'est que même Saul, il aime bien. Voilà. Même mon voisin, mon coiffeur, entre guillemets traitant, adore ce sport. Et vraiment, il trouve que Amiens sont très forts. Voilà. On se dit à tout de suite. Bon, voilà, ça a repris il y a presque 2 minutes. Bon, c'est le temps que je m'installe et tout. Pas facile, mine de rien. Thank you.
arrivé 7ème en saison régulière quand même. Il est chaud. C'est fou. Je crois que c'est l'esprit de play-off. C'est pour ça. Là, ils ont fait je sais pas combien de tirs, mais il en fait des arrêts, le gardien. Du numéro 90, Casey Dessier. Ah,
celui-là il fait du bien. Ce but il fait du bien. Il est magnifique. Frappe lointaine. Alors, il frappe beaucoup trop à mon goût. Mais les moments ça peut payer. Donc là, faudrait qu'il se rapproche un petit peu plus parce que là, le gardien il est chaud. Pas du deuxième tiers-temps. Pas d'interview. En revanche, je vais aller manger. Alors à tout de suite. Bon, il n'y aura peut-être pas d'interview avec les supporters, en revanche, un débrief, voilà. Assis pépouze avec mon petit panini, les petites frites, et aussi mon orangina. À la vôtre, mes chers monégascous, et maintenant mes jaunes et noirs, je sais pas comment vous appelez. Donc c'est parti pour le débrief du deuxième tiers-temps. Deuxième tiers-temps, largement mieux. Deux buts, ça fait plaisir. But de Guim, le deuxième qui a fait du bien. Une bonne frappe, toujours frapper de loin, mais le problème c'est qu'il frappe trop à mon goût. Frapper de loin, c'est bien, mais vu la forme du gardien Baudin, il en fait quand même des arrêts. Et franchement, Baudin, très très fort, je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Défensivement, bon, même si cette défense se fait pas mal perforer par la meilleure attaque du De Rouen, ça, ils ont quand même du mal. Niveau finition, les Rouennais ont du mal, c'est assez dommage. Donc va falloir qu'ils musclent un petit peu plus leur finition, qu'ils soignent un petit peu plus. Comme ça, le mode meilleure attaque de Ligue Magnus, une fois bien activé, là ils seront inarrêtables. Mais là, je sais pas si c'est le fait que ce soit esprit playoff, mais les Rouennais, ils jouent peut-être bien, ils sont peut-être dominateurs, mais je vous rappelle, dominer n'est pas gagné. Mais à chaque fois qu'on voit des offensives d'Amiens, bah, ça fait un petit peu peur parce qu'on a peur qu'ils fassent des hold-up. C'est ce que je me dis à chaque fois, mais pas de panique, Pintaric est toujours ici. Alors, dans ce match-là, premier ou deuxième tiers-temps actuellement, c'est gardien contre gardien. Voilà, Baudin contre Pintaric. Mais là, même si c'est pris deux buts, Baudin, il est très très fort. Donc voilà, j'ai tout dit là-dessus. J'espère faire les champs avec les supporters et on se dit à tout de suite. Bon, bah, ça a pris du temps. Je rate deux buts. Je rate le but de Rouen, le palais du 3-0 et le but d'Amiens il y a un instant. Dommage. Un peu déçu, mais bon, c'est pas très grave. Mais logiquement, il va y avoir plus d'action. Et en tout cas, j'ai pas oublié mon cop, mon futur cop. Je vais lancer un petit chant. D'abord, je suis à vous, le cop. Qui est chaud pour un petit nouveau chant là? Qui est chaud pour un nouveau chant? Un nouveau chant, allez, faut chanter, allez, faut s'ambiancer. Madame, monsieur, le nouveau chant, nouveau chant. Oh, 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 on vous lâchera jamais. Et toujours on chantera les jaunes et noirs, allez. Et toujours on chantera les jaunes et noirs, allez. Allez, madame, plus fort. Voilà, 4 buts d'un pour l'équipe de France qui parle au numéro 92 Alexandre. Ouais. Assisté du numéro 12 Valentin. Ouais. Et du numéro 44 Sacha. Ouais. Allez, 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 allez
ensemble. Vous êtes, il y a du potentiel. Alors c'est pas la tribune D, c'est l'Imagine Dragons. Imagine Dragons, le club. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Ce soir on va chanter et on va rien lâcher pour l'amour du maillot. Et à gauche, oh. Et à droite, oh. En arrière, oh. En avant, allez. À 59 minutes et 56 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 90 de Rouen pour charge avec la crosse. Ouais, 100 minutes minute. Plus 20 minutes de pénalité au numéro 8 de Rouen pour bagarre. Ouais. 2 minutes ouais. Plus 5 minutes plus 20 minutes au numéro 2 Damien pour instigateur bagarre. Bonsoir à tous et à demain pour le match 2.
commence l'interview avec les deux abonnés. Alors, vous avez pensé quoi de ce derby? Bah, c'était bien. Après, premier match de play-off, il faut toujours le gagner pour bien commencer. Bah, les Rouen. Et toi? Et bah, comme on a gagné le premier match, déjà c'est bien. Et on a gagné 5-2. Et après, c'était un bon match. Mais c'est un peu débile d'avoir fait une bagarre à la 4 secondes de la fin. Ouais, c'est un peu débile. Pour vous, qui a cherché la... les noises? Amiens. Amiens? Oui. Bah, Amiens. C'est logique, on est pour quoi, je pense. Non, mais même si j'étais pour Amiens, j'aurais dit que c'était Amiens. Ah, tu irais pour Amiens? Vas-y, non, je suis pas pour Amiens. Non, j'ai gueule. Si, j'étais pour Amiens. Ah, si, dit. Non, je taquine, je taquine. Non, mais voilà, faut quand même se respecter. Et puis même s'il y a des Amiénois, des supporters qui sont Amiénois, faut toujours respecter. Ouais. Mais en tout cas, bon, toi, t'es Rouennais, t'inquiète, je sais, j'ai confiance en toi, il n'y a pas de problème. Et de plus, pour vous, qui a été le meilleur joueur durant la rencontre? Parce que je sais pas pourquoi, mais au début, ça s'était plus joué entre gardien contre gardien. Ouais. Parce que le gardien d'Amiens, il a quand même, ouais, il a quand même fait un clean sheet au premier tiers-temps, mais au deuxième, bon, il s'en est pris deux. Et il a quand même fait des arrêts. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, il a fait de beaux arrêts. De beaux arrêts pour vous, ouais, qui est le meilleur joueur? De Rouen ou de Amiens? Peu importe, tout le long de la rencontre. Bon, forcément, vous allez dire Rouen, vous deux. Bah, je sais pas, moi je dirais Pinta, le gardien. Pintaric? Ouais. Ah, très rassurant, très très rassurant. Et toi? Moi j'aurais dit Vignars parce que c'est son anniversaire. C'est ça pour ça. Voilà, on lui souhaite son anniversaire à Vignars. Qui ça? Rollins. Rollins Vignars, voilà, c'est le ça. Le 91. Combien? Le 91. Ah, je vois qui c'est. Ah oui, puis dernière question. Alors demain, est-ce que vous allez revenir? Oui. Ne louper un match de Amiens et surtout les playoffs, jamais de la vie. Jamais de la vie? Un derby. Un derby, ouais. Et vous connaissez le dicton du derby? Un derby, derby, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà. Ah, il a été plus actif que toi là. Moi je connais pas trop. Ah, tu connais pas trop? Faut connaître. Ça, faut connaître dans tous les sports, ouais. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà. Un petit mot sur le match, Kélian, mon abonné. Bah, c'était un bon match, une bonne fois avec toi. Et on va essayer à demain. Demain, tu te sens comment? Bah, pareil, en forme. En forme? Ouais. En forme, de bonne humeur, pas trop fatigué? Non, bah, on va aller se coucher tôt. Donc, parce qu'en fait, quand on y pense, quand on voit que vous enchaînez deux matchs consécutifs, ça paraît pas cardio. Mais en fin de compte, faut bien s'en rendre compte. Ouais. Bien sûr, c'est cardio, je suis quand même conscient, même si j'ai jamais fait de hockey. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on voit les joueurs qui sortent d'un coup, qui rentrent d'un coup. Bah, et on a une belle rotation, on a un effectif qui est assez large avant, donc ça va. On est pas mal et on s'entraîne toute l'année pour ces moments-là, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux dire un petit peu plus sur le fait qu'en termes de physique, en termes de conditions physiques, parce que beaucoup de gens pensent que c'est pas cardio? Si, bah c'est du fractionné en fait. Donc on joue 45 secondes pour se proposer peut-être 1 minute 30 sur le banc, 2 minutes. Et bah c'est tout dans les jambes, mais le cardio sur le soir. C'est ça la grosse différence, et ça se voit pas, c'est un peu le travail de l'ombre. Tous les jours on bosse pour ça. Ouais, ouais. Bon, puis demain, j'espère que tu vas mettre un triplé. Bah, tu peux, bon, je suis obligé de la sortir parce que tout le monde te dit le Kylian Mbappé, voilà, surtout moi. Est-ce que tu peux faire la ref à Mbappé? Laquelle? Si t'es pas content, vas-y, tu peux la faire. Si t'es pas content de tripler, c'est ça? Voilà. Tu peux la faire vraiment? Oui, pas de soucis, si t'es pas content de tripler. Voilà. On verra. Et imagine si tu le mets vraiment? Ouais, bah ça sera tant mieux pour moi, j'espère. Ah bah alors, ça serait génial. J'espère. Eh bien voilà, c'est le moment de débriefer ce premier match face à Amiens. Bon, je fais en décalé parce que j'ai pas trop eu le temps. Malheureusement, qu'est-ce que j'ai pensé? Bah, là, je sais pas quoi dire, franchement, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Amiens contre Rouen, c'est plus chaud par rapport à un Grenoble-Rouen. Je sais pas ce que vous en dites, mais tout le long du match, c'était parti en vrille totale. Ah ouais, à chaque truc, à chaque charge ou quoi que ce soit, ça a failli partir en vrille totale, c'est vraiment incroyable, c'est... Ah non, mais ce sport, il est vraiment dingue, quoi. Et puis, dommage que les arbitres, ils séparaient à temps parce que moi, je voulais voir la bagarre. Mais, en tout cas, au troisième tiers-temps, à la fin, c'était n'importe quoi. Yeo et puis Dan, ouais, je sais plus le nom, le Canadien, le numéro 2. J'ai appris que par les Rouennais, ces deux-là, ils s'aiment pas. Et à chaque fois qu'ils sont sur la glace,
toujours ils veulent se friter, se marbrer la gueule entre eux. C'est assez drôle. Mais voilà, ce qui m'a fait rigoler, c'est que il était énervé, Yeo, il était incontrôlable. Ils avaient beau le séparer, il a retiré son casque, ses gants. L'amiénois, il retire ses gants, son casque, et là ça part en bagarre. Bam. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de coups. La bagarre a été de courte durée, et puis l'amiénois, il l'a mis au sol. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, l'amiénois, il s'est dit, bon, je l'ai mis au sol, ça y est, tu t'es calmé. Et Yeo, il se relève, il veut en découdre. Il veut lui marbrer la gueule. Et ce qui a coûté, exclusion de match, quoi. Voilà. Pour bagarre, alors bon, bagarre non réglementée entre guillemets, parce que vous connaissez tous, quand il y a un joueur qui dépose ses genoux au sol, la bagarre s'arrête tout de suite. Et puis s'il ne respecte pas le protocole, bah, malheureusement ça peut coûter une exclusion, tout simplement. Et moi dans ma tête, j'ai pété le plomb, j'ai fait « Ouah, comment ça, il s'est pris une exclusion ?» Il n'y a pas que Yeo, c'est lui aussi il doit prendre une exclusion. Ben voilà, j'apprends quelque chose. Sinon à part ça, niveau match... Bah franchement il était dingue, ah ouais il était dingue, mais j'ai raté 2-3 buts, c'est dommage. Et ce qui est marrant c'est que j'ai fait le même scénario que face à Gap, c'est-à-dire faire le cop, encourager les joueurs, chauffer la tribune pour que tout le monde chante, et puis voilà. Et ça a été pareil, et c'était quelle chance, c'était allez, oh, ce soir on va chanter et on va rien lâcher pour l'amour du maillot, et là je rate le but. Un peu dégoûté, mais au moins ça nous a permis, enfin ça a permis de les voir booster pour marquer un but. Et ça c'est vraiment cool. Et franchement c'est impressionnant quand même. Imaginez s'il y avait mes abonnés, ça aurait été dingue. Et puis moi je me tâte à créer un groupe de supporters, je sais pas pourquoi mais je me tâte. Mais en tout cas dans un club de foot c'est prévu. Bon c'est pas vraiment le sujet. Je vais revenir aussi sur le gardien Baudin. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Ah ouais, non, mais le premier tiers-temps, il a encaissé 0 but. Il a subi des offensives des Dragons. Pourtant, c'est quand même la meilleure attaque de Ligue Magnus en saison régulière. Il les arrête tous, j'ai pas compris. Après, niveau finition, bon, ils ont quand même eu du mal. Et arrivé au deuxième tiers-temps, bon, il a tenu 10 minutes sans encaisser de but, mais il en a encaissé 2. Voilà. Et après, bon, des buts des deux côtés. Franchement, super match. Et puis voilà, voir ce que ça va donner au deuxième tiers-temps. J'ai tout dit là-dessus. Et puis les joueurs qui sont sympathiques. Et puis parler avec mon abonné Kélian Leborgne qui a donné son. Bah, qui a parlé sur le hockey sur glace pour vous expliquer comment on fonctionne, si c'est physique ou pas. Il l'a bien dit, c'est physique. Parce que vu comme ça, on ne croira pas que c'est pas physique. Mais c'est bel et bien du fractionné. Donc attention, le physique et le cardio y obligent. Pas de cardio, bah t'es pas dans le groupe. Voilà. Si t'as pas de cardio, t'es dans le film automatiquement. C'est valable dans tous les sports. Eh bien, voilà, j'ai tout dit là-dessus. Puis j'espère que ce premier épisode de En route vers le trophée Magnus vous plaira. Bah, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu Monégascou et Dragonnier de Rouen. Et je vous rappelle que je suis disponible sur Instagram et Twitter, les deux réseaux auxquels je suis le plus actif. Mais si vous pouvez faire les autres réseaux sociaux, ce serait parfait. Mais Twitter, Instagram. M'arrange le plus. Ensuite, bah voilà, comme j'ai dit, pouce bleu. Ensuite, à commenter pour le référencement, à partager sur les réseaux sociaux. C'est très très important. Et bien voilà, c'était Oxenum et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures de Oxenum. Salut!